Avez-vous déjà vu, entendu ou senti des extraterrestres? Toum, toum, toum! Nous, on croit aux extraterrestres. Mais on croit pas que la société les représente de la bonne façon. Alors, écoutez bien notre théorie. Parce qu'on va vous dire à quel point ces stéréotypes sont différents de notre opinion. Premièrement, les apparences. La culture populaire a mis tellement de stéréotypes sur l'apparence physique des extraterrestres. C'est vrai! Dans les films, on voit souvent des extraterrestres verts, maigres et chauves. Oh, comme dans E.T. Et Mars Attaque. Mais d'où qu'ils pognent ça, les réalisateurs? Je sais pas, mais c'est pas du tout comme ça qu'on les imagine. Selon moi, ce serait pas des extraterrestres vivants. Ouais, ce serait plutôt comme... Des machines? Oui, des ovnis! Toum, toum, toum! Ben oui, l'autre jour j'ai vu une histoire sur un site internet nommé ztélé.com. À propos des ovnis. Hein? Vraiment? C'est quoi? Ben, ça s'est déroulé en Argentine, en 1995. Ça parlait d'un pilote d'avion qui était pour atterrir. Et là, un ovni se précipite sur lui. Toute l'électricité a été coupée dans l'aéroport et la tour de contrôle. Plusieurs gens de la ville l'ont vu aussi. Est-ce que t'y crois, toi? Ben, c'est plus crédible que la plupart des films. Exactement! Deuxièmement, les observations d'ovnis. Beaucoup de personnes parlent de leur rencontre avec les extraterrestres. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'elles sont d'habitude toutes inventées. Ouais, et surtout, elles sont racontées pour avoir de l'attention. Oui, il y a tellement de conversations qui tournent autour des grandes découvertes d'ovnis. Comme la zone 51. Ou le mystère Roswell. Justement, j'ai trouvé une histoire sur Wikipédia. Ça se déroule le 16 octobre 1957. Antonio Villas-Boas a vu une lumière bizarre s'approcher de lui. Il s'est rendu compte que c'est une soucoupe volante qui atterrit proche de lui. Il essaie de se sauver dans son tracteur, mais le moteur s'arrête juste comme ça! Une créature de 1,50 m de haut, qui porte une combinaison grise et un casque, le kidnappe dans son vaisseau avec trois autres individus. Il commence à parler dans une langue inconnue. Ensuite, les créatures lui prennent des échantillons de sang et l'enferment dans une salle à gaz, ce qui le rend très malade. Wow! Ça, c'est intense! Oh oui! Ben moi aussi j'en ai trouvé une! C'est l'histoire d'une femme qui est sortie chez elle parce qu'elle avait entendu des sifflements bizarres et elle vit une lumière bleue. En suivant la lumière, elle s'est retrouvée dans la forêt avec des extraterrestres qui avaient l'air à des humains. L'un d'eux avait une caméra Hitachi. Ils l'ont emporté dans un endroit qui puait l'alcool. Ils l'ont forcé à mettre des souliers de claquettes et de danser pendant des heures. Quoi? Une caméra Hitachi? Vous y croyez-tu, vous? Moi, j'ai tendance à plus croire les histoires qui sont racontées de bouche à oreille. Oh hein? Comme quoi? Ben moi, ma tante m'a raconté que durant une soirée à un feu de camp, ils ont vu un gros flash qui a illuminé toute la clairière. Un peu comme si quelque chose dans le ciel avait pris une photo d'eux. Quand ils ont regardé au ciel, ils ont vu quelque chose faire une espèce de zigzag et disparaître. Toum, toum, toum! Wow, puis tu penses que c'est des vrais ovnis? Je sais pas, mais je trouve que l'histoire de ma tante est beaucoup plus crédible que ceux qu'on voit sur Internet. Non, mais vraiment, ça prouve que les observations dites sur Internet sont vraiment exagérées. J'approuve. Troisièmement, l'emplacement des extraterrestres. Depuis pas mal toujours, les gens ont peur que les extraterrestres vont surgir de nulle part pour nous attaquer. On le voit souvent dans les films. Comme dans la guerre des mondes, ou prendre le contrôle comme dans Stranger Things. Mais selon nous, une invasion d'extraterrestres serait vraiment improbable. Comme il y a 100 milliards à 200 milliards de galaxies, les chances que les extraterrestres soient proches de nous sont très faibles. Les ovnis que nous voyons sur Terre seraient plutôt dans une mission organisée. Attends, peut-être qu'ils sont dans une mission de recherche, un peu comme nous avec notre conquête de l'espace. Ça explique pourquoi les ovnis viendraient proches de la Terre. Ils voudraient peut-être faire des recherches à propos de notre mode de vie. Ou comme des ressources naturelles. Ils se cherchaient peut-être une deuxième planète pour vivre. Probablement que ces ovnis ont été envoyés de très loin. Ben oui, ils viennent sûrement de des années-lumière d'ici. Après leur long voyage, ils arrivent finalement à la Terre pour accomplir leur mission.
Avez-vous entendu ça? Allô, extraterrestre! Non, mais vraiment, quand on y pense, les extraterrestres sont peut-être en train de faire un discours à propos de leur théorie, de notre existence, en ce moment même!